Coucou les loulous. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Wheelers d'Alsace. Aujourd'hui, non pas en Alsace, mais en Lorraine, plus précisément en Moselle, en pays du Saulnois. Alors, salut à tous, on se retrouve près de Dieuze et on va faire le circuit de l'Indre Basse. En plus du circuit de l'Indre Basse, c'est le circuit du sel de Dieuze à Marsal et ses 26 km qui vont égayer notre belle petite journée. Tombe pas, non. Non. Mais pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi t'as tout vu? La vidange annuelle de l'étang permet la régulation des populations de poissons et l'entretien du bassin pour éviter qu'il se comble par les alluvions. Alors Yannick va mettre des gants. Quelle chouchotte! C'est dans les rues de Dieuze et autour des anciens bâtiments des Salines Royales que nous prenons pleinement conscience de l'importance du sel pour cette région. Il y a beaucoup de sel pour un café, hein. On quitte les pingouins pour longer la Seille en direction de l'ouest, vers l'un des plus anciens sites de production de sel d'Europe. Alors Yannick, on aime la merde ? Je suis très ému en ce moment, j'ai du mal à gérer les émotions. Voilà, ça part quand ça part. Hein. Comportant des marais salés fort appréciés, le Saulnois, ou pays du sel, concentre de formidables réserves d'eau salée qui sont à l'origine de la richesse de la région depuis des siècles. Marsal tire d'ailleurs son nom de la dénomination latine Maro Solum, qui signifie marais salé. Comprenant dès le néolithique le potentiel du site, les premiers saliniers vont exploiter le sel par la technique de cuisson de la saumure, communément appelée le briquetage. Quand Louis XIV s'empare de la ville, Marsal devient une ville fortifiée par Vauban et cesse son activité du sel pour devenir une ville de garnison jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870. C'est un petit peu trop calme. Tu vois, c'est ça un peu plus moins. Même pas ça du tout. Maintenant, on retourne sur Dieuze. C'est super intéressant. Et voilà, la balade est terminée. C'est la fin. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. Ça, je te garde là. Regarde.